Horoscope Sagittaire. Mars 2018. Amour. Première quinzaine. Ciel astral dominé par Vénus. Vous attacherez donc beaucoup d'importance à vos liens affectifs. Vous ressentirez une grande envie d'aimer et d'être aimé de plus en plus fort. Pensez à respecter les désirs de l'être qui vous aime. Si vous êtes encore un cœur solitaire, l'occasion vous sera donnée ces jours-ci de mettre fin à votre état. À vous de la saisir au passage. Deuxième quinzaine. Vous bénéficierez des influx de Vénus, qui sont favorables aux affaires de cœur. Vos relations conjugales évolueront dans le bon sens. Si vous êtes encore seul, vous aurez des chances de rencontrer ces jours-ci quelqu'un qui vous plaira beaucoup, et vous pourrez commencer à former des projets. Ne cherchez pas loin cette personne, elle est tout près de vous depuis longtemps, mais vous ne l'aviez pas remarqué. Argent. Première quinzaine. Vos finances progresseront, la chance vous sourira, et vous serez particulièrement habile dans vos transactions et tractations. Des initiatives immobilières exceptionnellement réussies, d'autant que vous aurez les disponibilités nécessaires. Tout ce beau tableau, vous le devrez à la gentillesse de Mercure en bel aspect. Deuxième quinzaine. Neptune ne vous voudra aucun bien dans cette période. Il vous pousserait vraisemblablement à de folles dépenses, qui vous endetteraient pour longtemps. À vous de savoir lui résister. Ne vous hasardez pas ces jours-ci sur le terrain glissant des placements, à moins d'être un spécialiste chevronné en la matière. Travail. Première quinzaine. Le secteur de la profession sera modérément favorisé, mais à condition de prendre toutes les précautions d'usage. Promouvoir vos projets se révélera nécessaire, mais n'ira pas sans prendre de gros risques parfaitement calculés. Si vous travaillez en association, n'agissez pas sans avoir obtenu le feu vert, sans équivoque de vos partenaires, autrement vous risquez d'avoir à payer tout seul les pots cassés. Deuxième quinzaine. Mars soutiendra vos efforts dans le travail. Il vous poussera même à consolider votre position professionnelle par divers moyens. Sous son inspiration, vous manœuvrerez si bien que vous pourriez obtenir un avancement dont vous commenciez à désespérer. Pour être plus efficace encore, évitez les bavardages intempestifs et méfiez-vous de certains collègues indélicats. Conseil. Parfois, vous aurez peine à supporter la grisaille quotidienne. Pour remédier à la situation, fixez-vous un nouvel objectif, et les astres se mettront en quatre pour vous aider à l'atteindre. Vous voulez améliorer votre condition physique? Alors, mettez-vous au régime et faites du sport. Si cela vous chante, changez de look en optant pour un lifting, en adoptant une nouvelle coiffure ou en renouvelant de fond en comble votre garde-robe. Et puis, que diriez-vous de l'objet que vous contemplez tous les jours en vitrine en vous rendant au travail? L'environnement planétaire vous donnera la chance d'amorcer ce mois une mutation pratiquement sans précédent dans votre existence, avec la possibilité de trouver par l'action un meilleur équilibre et la joie de vivre. Vous pourrez ainsi améliorer considérablement la qualité de votre vie, mais à condition de comprendre la nécessité de transformer votre univers individuel et de l'adapter aux réalités. Les modalités d'une telle adaptation et les meilleures formes d'action profitables gagneraient à faire l'objet d'une étude conduite par un bon coach.